Parler de la technologie à cordes. Bonsoir à tous. Je sais pas si vous m'entendez. Le son est bon. Faites juste un signe de la main ou un message dans la conversation. Ça fera plaisir. Bien, bonsoir encore et sans toutefois tarder, nous allons débuter avec ce webinaire. Et avant de commencer, je vais vous présenter une petite vidéo là sur la technologie à cordes. Et nous allons démarrer immédiatement après que vous ayez vu cette petite vidéo. OK. Voilà que c'est quelque chose d'assez magnifique. Pour le transport urbain.
Alors, sans toutefois tarder, nous allons continuer avec notre présentation de la technologie. Et bien évidemment, je suis Donatien Gérard, Tatu GSE et investisseur et leader à Skyworld Community. Vous ne le croirez peut-être pas, mais déjà en 1914, l'usine de confiserie russe Eniem a produit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. Et c'est ainsi, comme vous voyez sur l'image, qu'il a représenté le monde dans un avenir proche. Il y a là une escatade ajourée avec un wagon suspendu. Bien. Il faut savoir qu'en plus, il y avait plusieurs illustrations dans la boîte à bonbons. Et sur chacune d'elles, il a représenté ce transport inhabituel. L'artiste a prédit avec certitude, avec précision, ce qui se passerait sur la Terre, le pandémonium des hommes et des machines. Et dans l'illustration suivante, comme vous voyez, on se rend compte que les hommes et les tramways, les voitures et les tramways entrent en collision. Les gens courent essayant de ne pas tomber sous les roues. Et dans le ciel, on aperçoit le même tramway céleste. Bien évidemment, cette situation ne nous est pas indifférente dans le monde moderne d'aujourd'hui. Comme nous pouvons voir sur ces images, on se rend compte que c'est notre monde. C'est le transport de niveau 1, c'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Il faut savoir que chaque année, 1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées jusqu'ici, je vous assure. Et les effondrements de transport affectent l'économie aussi. Les ports surchargés n'ont vraiment pas le temps de traiter les marchandises et les navires sont donc obligés d'attendre chacun à leur tour. Ainsi, nous désignons donc les deux premiers problèmes du transport moderne, à savoir le trafic dense des routes de transport, ainsi que la mort des personnes causée bien évidemment par le manque de sécurité. En construisant les routes, l'homme envahit la nature. La nature, elle, vit sa vie et résiste à l'homme. Par contre, l'homme, celui-ci, il est toujours persévérant. Il est tellement insistant qu'il oublie même qu'il tue le monde dans lequel il vit. Vous voyez, le carburant que l'on utilise, c'est carrément un poison pour la nature. La nature ne peut plus résister. Et c'est ainsi que nous pouvons poser le prochain problème majeur de notre époque, qui est la pollution de l'environnement. Il faut savoir que le passage du transport moderne en électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie. Le fait est que qu'en branchant notre voiture sur une prise de courant, nous la connectons à des centrales électriques qui, elles, fonctionnent à partir des combustibles fossiles et polluent également l'environnement. L'un des moyens, donc, de sortir de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. C'est ainsi que nous pouvons donc poser le quatrième problème, le quatrième défi, qui est de réduire la consommation d'énergie. Dans différentes années, déjà jusqu'à aujourd'hui, de différentes manières, des gens ont essayé partout dans le monde de monter à la surface de la Terre, plus haut, deuxième niveau, où il n'y a pas de problème avec les poses des routes à travers les fosses, les ravins, les rivières, les forêts. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de matériel sont évidents. Les tentatives de construire une route à l'envers ont été faites, comme au siècle dernier en Allemagne. Et de nos jours en Chine, un tramway avec des roues sur le toit, bien évidemment, diffère d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais c'est la seule différence. Ces photos que vous voyez là,
n'ont jamais été classifiées top secrète. Mais je ne sais pas pourquoi, ni pour quelle raison quelconque, jusqu'à présent, personne n'a combiné ces deux technologies. Le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré à la roue. Si vous remplacez par ces enfants italiens-là, je dirais à 1950, à ma gauche, si vous remplacez par ces enfants italiens qui traversent la rivière les simples roues-rouleaux, pas de roues électriques, nous obtenons un nouveau mode de transport. Ne confondez pas ce nouveau mode de transport avec le téléphérique et le funiculaire. Ces derniers n'ont pas leur propre moteur. Ils sont simplement tirés sur le câble. Les voitures du téléphérique sont tirées au-dessus de la surface du sol et le funiculaire sur le flanc des montagnes. Bien, le transport que nous allons examiner aujourd'hui a donc son propre moteur et sa propre structure de trajet. Lisez bien cette assertion. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Anatoly Yunitskiy, concepteur général de Skyway. Fixons donc le problème à résoudre ici. Le problème consiste donc à se déplacer confortablement d'un point A à un point B sur la surface de la Terre. Selon le schéma de production standard, lors de l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, de changer la faune et la flore, ce qui pose un gros problème. Ensuite, il faut créer une fondation multicouche de 2 mètres sous la route. Et ensuite, c'est seulement à ce moment-là que nous pouvons poser les rails et laisser couler le matériel roulant. Pour éviter des travaux de terrassement lourd et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, une autre possibilité s'offre à nous. Il est donc possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont. Et c'est ce qu'on voit qui a été adopté par les êtres humains jusqu'ici. Bien, rappelons la méthode utilisée par les enfants au-dessus de la rivière en 1950. Avec un câble tendu comme une corde, bien évidemment, au lieu d'un pont lourd et coûteux, comme ce que nous venons voir comme la solution pour ne pas détruire le sol, la faune et la flore, au lieu d'un pont coûteux, on peut poser un câble. Ensuite, les supports lourds ne seront pas nécessaires. On les remplace par des supports légers. On va tirer le câble et ensuite nous fixons les extrémités dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Enlevons ensuite les supports qui n'étaient pas nécessaires. Et là, nous plaçons notre câble dans une enveloppe. Nous obtenons ainsi donc une structure de rail unique. Et voici donc une vue en détail de cette structure de rail. La composition et les propriétés sont sur le schéma. Bien, sur cette base, il est donc possible de créer trois types de structures de trajet. Il est possible de créer trois types de structures de trajet, et chacune d'elles ayant ses propres avantages et ses propres tâches. Nous pouvons citer à l'instar les structures de trajet rigides, semi-rigides et souples, comme vous pouvez voir sur cet écran. Bien, ici nous avons donc les dimensions réelles. Vous pouvez voir les dimensions réelles du rail semi-rigide et flexible. Ceci est un photomontage et il montre des haubans supportant le vrai pont. Les mêmes haubans peuvent servir de base à la structure de trajet à cordes.
En passant dans ce cas, vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement bloquée par une seule travée. Ceci n'est pas un photomontage. Non, pas du tout. C'est une vraie photo prise en 2019 dans l'éco-technoparc près de la ville de Minsk, en Biélorussie, en République de Biélorussie, bien évidemment. Une caractéristique distincte, autant pour moi, des structures de trajet à rail est que les rails n'ont pas de soudure, ce qui signifie que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en acier. La tâche la plus importante du transport de deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers. L'absence de pilote et le passage au contrôle automatique éliminent l'influence du facteur humain, bien évidemment. Et bien sûr, la conception a un système anti-sortie spécial, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Bien, il est possible donc de réduire la charge de la structure de trajet et augmenter la capacité passante de la manière suivante. On peut diviser la grande composition en wagons automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera pas difficile de résoudre ce problème logistique. Revenons donc aux photos précédentes de 1950 et 1905 qui nous sont déjà familières, ou plutôt aux roues moteurs. Ceci est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non seulement leur simplicité, leur compacité et aussi leur puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. Ceci est également facilité, autant pour moi, par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie est de réduire la résistance aérodynamique de l'air. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie augmente considérablement. Le courant de vent complexe autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affecte grandement la consommation de carburant de celle-ci. Sur le transport de second niveau que nous proposons, le flux d'air d'au-dessus du sol, autant pour moi, les flux d'air d'au-dessus du sol ne sont pas affectés. La norme de la coupe originale testée dans la soufflerie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. Voici donc l'appareil présenté précédemment sur le schéma en grandeur nature. Cette photo a été prise en Biélorussie en 2018. Cette image que vous voyez là montre les caractéristiques des deux véhicules, ainsi que le recalcul de l'électricité consommée par le poids du carburant liquide. Maintenant, rappelons donc les problèmes cités précédemment liés au transport moderne, qui sont à savoir la surcharge des voies de transport, le manque de sécurité pouvant causer la mort, la pollution de l'environnement et la forte consommation d'énergie. Dans ce diagramme, vous pouvez voir les caractéristiques comparatives des véhicules modernes et du transport à cordes que Skyway offre. Celui-ci est peint en vert. On se rend donc compte que Skyway a la solution la plus optimale, que ce soit en termes de coût du capital ou des opérations, consommation d'énergie, la capacité, le niveau de pollution de l'environnement et aussi le taux d'accident de transport. De même, ce graphique montre clairement l'avantage du transport à cordes. On voit qu'il est le plus
optimales. Et voici donc une comparaison des types de déplacements terrestres les plus modernes, à la fois opérationnels et projetés. Donc, nous pouvons dire que Skyway, le transport de deuxième niveau, est un transport léger, rapide, économique et écologique. Bien évidemment, à tout seigneur, tout honneur, nous ne pouvons pas parler de cette technologie sans parler de son concepteur. Ici, cette image, il s'agit de l'auteur du projet, Anatoly Ilitski. Il lui a fallu 40 ans de recherche, de calcul, d'expérience pour que sa création voie le monde. Les détails de sa biographie et ses développements peuvent être trouvés facilement sur le site unitski.ingénieur. Il faut savoir qu'il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs détaillés. Tout ça, vous pouvez trouver sur son site. Actuellement, sept modes de transport pour les passagers ont été développés. À savoir le UniWind, UniBike, UniCar, deux modèles d'UniCar, UniBus, deux modèles, et aussi l'UniBus à grande vitesse. Et à côté de cela, quatre modèles ont été développés pour le transport des marchandises, à savoir l'Unicont, l'Unitruck, deux modèles, et l'Unitrans. Bien, le transport sur des rails à cordes se déplace au-dessus des routes et au-dessus de l'eau sans interférer avec eux. Les autres modèles de transport sont donc libres. Le transport à cordes, lui, s'intègre facilement aussi à n'importe quel environnement, occupant un minimum d'espace sur la surface de la Terre, comme vous pouvez le voir là. Ni les montagnes, ni les forêts, bien évidemment, ni les eaux ne sont des obstacles pour ce nouveau type de transport. Pour le transport à cordes, il n'est pas nécessaire de niveler les terrains, bloquer les voies de migration des animaux, détruire les couches de sol fertiles. Il a besoin de l'accès au sol le plus minimal qui soit, et avec des méthodes modernes de livraison de structures de construction par des drones volants. Cela est également fourni par la technologie, bien évidemment, et il n'est pas nécessaire de poser des voies d'accès au site d'installation des supports. Le transport à cordes s'intègre facilement dans le paysage naturel et dans les infrastructures urbaines. Ayant ses propres supports, il traverse les bâtiments sans changer leurs fondations. Au début de 2020, le transport à cordes a été présenté à 18 grandes expositions internationales où il a été attiré, où il a toujours attiré, autant pour moi, beaucoup d'attention. Comme vous pouvez déjà l'apercevoir, cette image. Ces photos ont été prises en 2018 à Berlin lors de l'exposition InnoTrans. Notez la photo en haut à gauche. Les employés du stand de téléphérique suisse et tous ceux qui sont présents regardent en direction du Skyway. Bien évidemment, il est impossible, il est vraiment impossible de passer devant un tel appareil frappant une forme futuriste, carrément inhabituelle. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, doit subir de nombreux tests d'essai. Heureusement, notre technologie Skyway a déjà subi ces tests. Les documents confirmant le transport à cordes ont passé les tests et peuvent être facilement trouvés sur le site de Anatoly Unitski, unitski.ingénieur. La technologie de transport à cordes a obtenu, notez bien, 83 brevets dans 18 pays, des États-Unis à la Chine.
Donc, ce n'est pas quelque chose qui sort de nulle part. Elle a fait un bonhomme de chemin et elle a déjà eu beaucoup de certifications, comme vous pouvez voir là, des brevets et aussi des récompenses. Ici, sur les diapositives, il n'y a qu'un dixième de documents que l'entreprise a. Vous pouvez tous les retrouver sur leur site web. Sans aucun doute, il est impossible pour une seule personne de mener un tel travail titanesque. Pour ce faire, la société Unistry String Technology a créé à Minsk, en République de Biélorussie, depuis 2019. La société emploie plus de 1 000 professionnels hautement qualifiés. La structure est composée de 80 départements et bureaux d'études. La propriété des bureaux de production couvre une superficie totale de 10 000 mètres carrés. Dans sa propre production, il y a 11 machines complexes qui ont déjà été conçues et fabriquées. Des marchandises et passagers urbains et interurbains à grande vitesse et à hyper vitesse, suspendues et montées d'une capacité de 2 à 200 passagers et d'une capacité de charge de 2 à 35 tonnes. 4 modèles, y compris dans la version tropicale, sont actuellement en cours d'exécution. Non loin de Minsk se trouve l'Éco-Technopark, le premier site d'essai, de certification et de démonstration de la technologie à cordes. Cette photo que vous voyez là a été prise en 2016. Après 3 ans, cet endroit est devenu carrément méconnaissable. Chaque année, à l'heure de l'EcoFest, des milliers d'investisseurs se rassemblent sur ce site pour voir de leurs propres yeux, bien évidemment, les réalisations et s'assurer de la réalité de tout ce qui se passe. Et à chaque fois, quelque chose de nouveau est montré ici. En septembre 2018, on a commencé la construction du centre d'innovation Skyway aux Émirats arabes unis, dans l'émirat de Sharjah plus précisément. Et le centre d'innovation Skyway de Sharjah est un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe Skyway lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie. Ces photos, ici sont prises en 2019 sur le site de construction de Sharjah. Le transport aux Émirats arabes unis sera une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre. Dans un avenir pas si lointain, il va de soi que ce nouveau type de transport s'intégrera naturellement dans le paysage terrestre et ne nous surprendra plus du tout. Tout comme aujourd'hui le fait le métro ou le tram, ce système de transport ne nous surprend plus du tout. Ainsi donc, nous pouvons donc dire que la technologie à cordes que nous venons de voir montre que le transport Skyway est un transport tout d'abord innovant, de deuxième niveau car il est au-dessus du sol, transport à haute vitesse car il peut pousser sa vitesse jusqu'à 5 et les engins peuvent pousser la vitesse jusqu'à 500 km/h. C'est un transport sûr, efficace, facilement intégrable à la nature et surtout respectueux de l'environnement. Voilà pour vous présenter cette technologie à cordes. Et j'espère avoir été assez clair, assez explicite et que vous avez pu comprendre de quoi
de quoi il est question. Mais avant de vous quitter, je vais bien vous laisser avec cette petite vidéo. Cette petite vidéo très intéressante. Je veux que vous la regardiez. Je montre les constructions à Dubaï. À Sharjah, tant pour moi. Là, là, là. On voit bien là quelques vidéos montrant le fonctionnement de ce transport à cordes magnifique. Avec les différents engins pour le transport des personnes, le transport des marchandises. Désolé, quelques soucis avec l'écran. Transport urbain. Ah oui. C'est
Super ça. Vraiment super. Vous voyez donc là chaque vidéo, chaque maquette avec comment est-ce que ça se présente de façon réelle, en 3D et en mode réel. Unibus à grande vitesse. Ok les amis, nous sommes donc parvenus à la fin de notre présentation de la technologie Accord Skyway et je vais vous souhaiter donc une bonne soirée. Passez une très bonne soirée et rendez-vous à très bientôt pour une autre présentation de cette belle technologie. Allez, ciao!